Génial. C'est gentil. Et j'ai qu'une hâte, c'est de partir d'ici. J'ai hâte de manger des pizzas à Chicago et j'ai hâte de faire des selfies dans le Grand Canyon. Et comme mes 18 ans étaient ratés, je me disais qu'on pourrait les fêter encore à Las Vegas. Faire une fête de folie. T'en penses quoi? Puisque t'en parles, il n'y a pas de place pour toi dans le bus de tournée. Quoi? C'est une blague? Comment ça, tu me détestes? Tu me connais à peine. Je m'avais dit que tu m'aimais. Ah mais je l'ai dit comme ça, sur le moment. On doit jamais dire ça, si on ne pense pas réellement. Écoute, j'ai besoin de me retrouver un peu seule, tu vois. Alors tu peux me rendre mon t-shirt. Et moi, je passe mon temps toute seule, enfoirée. Oh, c'est bon, garde-le, mon t-shirt. Et ça, tu le veux? Non, attends, plaisante pas avec ça, s'il te plaît, non. Laisse ma guitare. Supplie-moi. Oh, pitié, allez, je t'en supplie, rends-moi ma guitare. Pour l'amour du ciel. La ferme. Oh. Oh. Éclate-toi bien en tournée. Debout là-dedans. Oh, ça va pas recommencer. Allez, feignasse, ouvre-moi avant que Hanson ramène ses... J'arrive, détends-toi. Tu le fais exprès? Elle débloque cette fenêtre, j'y peux rien. Alors? Elle t'a demandé où j'étais? J'ai dit que t'étais allée te coucher après le cours parce que t'étais malade. De rien. Bien joué, Biscotte. Ne m'appelle pas comme ça. Bien, Danica, avec ton prénom qui n'existe pas. T'es la pire colocataire que j'ai jamais eue. Tu le sais, ça? Arrête, tu m'adores. T'aurais pu passer par la porte d'entrée. Dans mon bureau. Je n'aurais jamais dû accepter de te garder jusqu'à la fin de l'année. Tu n'arrêtes pas d'enfreindre les règles les unes après les autres. Je t'ai donné tellement de fois ta chance que j'ai arrêté de les compter. Et malgré ça, tu te comportes de façon toujours plus imprévisible et bizarre. Tu continues de prendre tes médicaments, au moins? Punissez-moi si ça vous fait plaisir, mais qu'on en finisse. Va préparer tes valises. Tu es majeure maintenant. Tu n'as plus rien à faire ici. D'ailleurs, d'après la loi, tu devrais être partie depuis tes 18 ans. Et où je vais aller? Écoute, je suis au courant de ce que tu as vécu et je me doute que c'était difficile. Difficile? J'ai été placée dans 14 familles différentes ces 12 dernières années. Oui, dans 14 familles, je connais ton parcours. Mais ça n'excuse pas tout. Tu n'es pas une victime, Samantha. Il faut que t'arrêtes de rejeter sans cesse la faute sur les autres. Il serait temps de te comporter en adulte maintenant. Alors prends tes responsabilités et assume tes erreurs. Et vous pensez que c'est en devenant SDF que je vais me transformer en adulte responsable? Comme tout le monde, tu as des choix qui s'offrent à toi. La seule différence, c'est que maintenant, le foyer des Mimosa n'en fait plus partie. J'ai rien, d'accord? J'ai pas d'argent! Et je connais personne! Bonne nouvelle, tu as droit à une allocation. Tiens, ça te donnera un coup de pouce. C'est quoi, ça? Ça devrait être l'argent suffisant. J'en ai rien à faire si je crève, avouez-le! En fait, demain, vous aurez même oublié que j'existe! Espèce de bouffiasse! J'en ai assez entendu. Tais-toi, ça suffit! Ce que tu fais est précisément la raison pour laquelle tu n'es plus la bienvenue. Vous avez peur de moi? Tu sors d'ici. Maintenant. J'ai dit dehors. Tu sors immédiatement.
J'ai une mauvaise nouvelle. L'embryon s'est détaché de la paroi utérine. Maintenant qu'il est privé des nutriments indispensables à son développement... Non, arrêtez. Joseph. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut envisager de recommencer. Le plus tôt sera le mieux. Non. Je suis vraiment désolée, chérie. J'ai aucune envie de revivre ça. Non, c'est moi qui suis désolé. J'espérais tellement que ça marcherait. Il existe d'autres solutions. L'adoption, l'accueil d'enfants à domicile... Je n'ai rien contre l'adoption, au contraire. C'est génial, seulement on imaginait notre famille autrement. Je comprends. Si un jour vous changez d'avis, je peux vous mettre en relation avec une agence. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. On rentre à la maison. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous en prie. Elle l'a fait. Qui a fait quoi? Madame Hanson m'a fichu dehors. Oh, je suis désolée. Je comprends mieux que ce trou à rat, sans t'offenser. Ça pourrait être pire. Le truc, c'est que tu sais pas apprécier ce qu'on nous donne. C'est facile à dire quand on a une mère quelque part. Tu veux pas la voir, toi, c'est tout. Elle m'a abandonnée à la naissance, ça se fait pas. Et même si je la retrouvais, imagine qu'elle veuille pas de moi. Non, oublie, une famille, ça s'improvise pas. Tu sais, Dieu a mis 6 jours à créer le monde et s'est reposé le 7e. Tu devrais apprendre à faire des efforts. Ok, Annie l'orpheline, j'y penserai. Au fait, j'allais oublier de te dire, Madame Hanson veut te voir, toi aussi. Moi? Oui. T'es ma complice, ça paraît logique. Tu rigoles? Tu m'as pas laissé le choix. T'as rien à craindre. Tu es sa préférée. J'y vais. Viens, je vais te montrer quelque chose. Danica? Ivan a amené sa petite enquête. Il sait y faire avec Internet. Apparemment, c'est ce que dit Melissa. Mais comment tu sais que c'est elle? Il n'y a pas de photo sur son profil, pourquoi? Elle est peut-être pas accro aux selfies comme le reste du monde, mais regarde. Elle a le même âge, elle vient de la même ville que toi et elle porte ton nom de jeune fille. Tyrell. C'est bizarre, enfin, pourquoi les Martins n'ont pas changé son nom quand ils l'ont adopté? Eh ben, d'après ce qu'Ivan a découvert, ils l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, elle a pas été adoptée, elle a seulement été placée dans des familles d'accueil. On peut pas savoir ce qu'elle a vécu, alors... Va pas t'imaginer le pire, d'accord? Mais tu veux que je reprenne contact avec elle alors que elle a été élevée dans ces conditions? Oui, c'est ça, oui. Mais quelle que soit ta décision, je serai là pour toi. En toutes circonstances. Ça peut être une véritable catastrophe. C'est possible, mais qui te dit que ce sera pas un incroyable cadeau de la vie? Bonjour Danica, je suis ta mère. J'imagine le choc. Ça fait longtemps que je veux te contacter, mais j'avais peur que tu m'en veuilles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour Danica, je suis ta mère. Génial, tu pouvais pas mieux tomber. Merci, Kate. Justement, je savais pas où aller. Désolée, Danica, qui va à la chasse, perd sa place.
Je n'arrive pas à croire que tu m'aies retrouvée. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment. Où étais-tu toutes ces années? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies retrouvée. Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment. J'étais sur le point de baisser les bras. Mais visiblement, le destin a décidé de nous réunir, d'autant que je serai dans ton quartier demain. Si tu as du temps à m'accorder dans la journée, fais-moi signe, j'adorerais te rencontrer, Danica. Tu vas la voir demain? Demain, oui. On dirait un rêve. Oui, et pourtant, c'est bien la réalité. Oh mince, c'est pas vrai. Demain, j'ai des rendez-vous toute la journée au restaurant. On va devoir se retrouver un autre jour. Chérie, tu ouvres dans moins d'une semaine. Demande-lui de te retrouver là-bas. T'en fais pas pour moi, je la verrai plus tard. T'as raison. On va faire comme ça. Je serai dans mon restaurant toute la journée demain. Tu peux passer à l'heure que tu veux. Je suis impatiente de te rencontrer. J'arrive. Kettle. Black. Bistrot. Effacé. Et effacé. Parfait. Samantha! 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 Je sais que tu m'as piqué mon ordinateur, rends-le-moi! Samantha? Samantha? Biscotte? Le problème, c'est que ton ordinateur, j'en ai besoin, je peux plus m'en passer. Je pense que tu peux comprendre quand même, c'est pas difficile. On n'a qu'à dire que c'est mon cadeau de départ. Pour une fois que la chance me sourit. Beau rêve, Biscotte. Commence. Bonjour. Bonjour. J'aimerais voir Kate Whitman. Je m'appelle... Danica. Je sais, bonjour. Alors c'est toi. Bon sang, c'est génial. Viens avec moi. Tu es magnifique. Elle va sauter au plafond. Il y a un petit air de famille, enfin, je crois. Tu as de la visite. Je vous laisse tranquille. Danica. J'arrive au mauvais moment. Non. Non. Sois la bienvenue. Bonjour, Kate. Tu es grande. Je me suis imaginé ce moment un milliard de fois dans ma tête. Moi aussi. Voilà comment j'ai trouvé le nom. Kettle Black Bistrot.
Ouais, le Black Bistro. C'est chouette. Ouais, depuis que je suis toute petite, je rêve d'avoir un restaurant et ça arrive maintenant. Enfin, il reste une étape. Je suis inspectée demain. Je suis désolée, toute cette histoire paraît irréelle. Tu es exactement comme je t'avais imaginé. Tu es magnifique, tu as réussi à lancer ton affaire. Bref, t'es quelqu'un de super. Toi aussi, t'as l'air d'être super. C'est sûrement génétique. Ah. Danica, je te présente mes excuses. Te faire adopter a été la décision la plus difficile que j'ai prise de toute ma vie. Je pensais que tu serais placée dans une famille aimante. Je t'ai vu partir avec eux quand tu as quitté l'hôpital. Ça a duré un temps. Jusqu'à ce qu'ils découvrent mon problème de cœur. Là, ils ont revu leurs ambitions à la baisse. T'as des soucis de santé? C'est toujours d'actualité ou... Non, non. Je vais bien maintenant. 2-3 opérations, quelques pansements et ça va. D'ailleurs, j'ai même pas de cicatrices. Si tu n'as pas été adoptée, alors... Où étais-tu? Dans des foyers, dans des familles d'accueil, parfois. En ce moment, c'est foyer. Mais j'ai pas tellement envie d'en parler. Non, bien sûr, je comprends. J'aimerais beaucoup que tu restes dîner avec mon mari et moi ce soir. C'est vrai? Oui, et j'insiste. Grave. Quoi? Enfin, je veux dire oui, ce serait super. Ah. Par contre, c'est Joseph qui va cuisiner, alors espérons que ce qu'il fera sera mangeable. On verra bien. Ça va? Non, ça va pas. En fait, de l'eau coule du réfrigérateur et je sais pas comment l'arrêter. Je suis désolée. Ça m'aurait étonnée. J'arrive tout de suite, une minute. Danica, excuse-moi, mais il faut que j'aille voir ce qui se passe avec cette fuite. Vas-y, c'est pas grave. Écoute, voilà ce que je te propose. Tu laisses ton mail à Mélissa, elle t'enverra l'adresse de chez moi tout à l'heure. Ça te va? Bonne journée, on se voit ce soir. Oui, je serai là. J'ai hâte d'y être. Il était mon tout premier baiser, ma première danse et mon premier... Tu vois? Et tu es arrivée. C'est moi, surprise. Il était dans une famille qui était très croyante, alors ils ont demandé à ton père de partir et plus de nouvelles. J'avais tout juste 16 ans et j'étais l'aînée de 5 enfants, alors évidemment, pour mes parents, il était hors de question d'accueillir un autre bébé. J'en veux à personne, ni à sa famille, ni à la mienne. Tu sais, à l'époque, on était très amoureux. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser finir la conversation, parce que c'est soirée télé. J'ai dit on était amoureux, c'est du passé, c'était il y a longtemps. Tu sais bien que t'es le seul qui compte. Si tu me prends par les sentiments, mais changeons de sujet si tu veux bien. Ça marche. Kate m'a dit que tu vivais dans un foyer, c'est bien? Pas vraiment, et celui-là c'est le pire, alors je me suis sauvée. Tu t'es sauvée? Ouais, ça fait quelques mois déjà. La responsable, Madame Hanson, adore nous punir sans raison et en général, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Ces punitions, c'est pas de la tarte. Je vis dans un refuge. Avec des sans-abri? Ouais, mais ça va, t'inquiète pas. J'arrive toujours à trouver un lit. Ça te tenterait de la glace aux pépites de chocolat? Viens avec moi, chérie. On va aller en chercher. On revient. Pépite de chocolat. Allez, c'est ma glace préférée. Tu veux lui proposer d'emménager? On la connaît depuis quelques heures. C'est ma fille, Joseph. Non, mais d'accord, je sais, et j'ai de l'affection pour elle. Mais, objectivement, c'est une étrangère. Exact, c'est vrai, c'est une étrangère et c'est ma faute. Écoute, chérie, tu sais bien que je suis de ton côté. Plus que quiconque, tu devrais me soutenir, d'autant que c'était ton idée à la base. C'est toi qui voulais que je la contacte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je la renvoie dans l'endroit miteux d'où elle s'est échappée? Non, évidemment. Bon. Tu as raison. D'accord? Tu as entièrement raison. Tu me connais, parfois je... Parfois quoi? Je peux être... un imbécile et... là, je me comporte comme le roi des idiots. Donc je suis désolé et... S'il te plaît, est-ce qu'on peut s'embrasser, faire la paix et former à nouveau un couple parfait?
Faisons les démarches pour l'adopter et on sera une famille parfaite. Une famille parfaite. Si vous êtes là, j'imagine que c'est pas bon signe. J'ai une livraison pour vous. Je peux y aller maintenant? Tu peux. Merci. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle? Rien du tout. La pauvre était séquestrée dans un placard de la bibliothèque. Vous pouvez répéter? C'est une autre fille qui l'a enfermée. Je crois qu'elle s'appelle... Samantha. Samantha Brown. Oui, c'est ça. Brown. Elle lui a aussi volé son ordinateur. Ah. Vous devriez la convoquer. Non, c'est trop tard. Samantha ne vit plus avec nous. J'ai dû lui demander de s'en aller à cause de plusieurs raisons. Ah. Je vois. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Non. Non. Très bien. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà, on y est. Regarde, ta chambre donne directement sur ta salle de bain. Et je te montrerai comment utiliser la douche. C'est un peu compliqué. C'était où, ça? Elle appartient à Joseph. Enfin, c'est une maison de famille. Cela dit, depuis qu'il y a le restaurant, on n'a pas eu le temps d'y aller. Ça me ferait plaisir d'y aller. On ira. Je t'emmènerai après l'ouverture du restaurant. Comme ça, tu verras à quoi ça ressemble. Super, j'ai hâte. Tu veux voir ta chambre? Tout droit. Continue. Et voilà, on y est. C'est très joli. Menteuse. Bon, je sais ce qu'on va faire. Demain, on va aller faire des courses dans un magasin de décoration. Je quitterai le restaurant pendant quelques heures et tu choisiras ce qui te plaît. En fait, je tiens vraiment à ce que tu te sentes ici chez toi. Oh, et j'aurai besoin des coordonnées du foyer où tu étais. Je voudrais les prévenir que tu es avec moi. Oui, bien sûr, pas de souci. Je dois avoir le numéro quelque part. Mais il n'y a pas de pression. Ça peut attendre demain. Je vais être sûre que tout est en ordre. Oh... J'ai pas mal de rendez-vous et de coups de fil à passer demain, mais je devrais pouvoir m'échapper vers 16h. T'es pas obligée, tu sais. J'ai envie. Je t'appelle vers 16h quand l'inspecteur sera parti, et ensuite tu me rejoindras là-bas. Ça marche. Ok. Bon, je vais te laisser. Installe-toi tranquillement. Kate? Oui? Je voudrais te remercier du fond du cœur pour ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Bienvenue chez toi, Danica. Oui, entrez. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. J'ai un petit cadeau pour toi. Considère-le comme une sorte de compensation. J'imagine que ça n'a pas été évident pour toi de vivre dans les conditions que je t'avais imposées. Vous m'avez acheté un cadeau? Tu es quelqu'un de bien et tu mérites tellement mieux. Je regrette de ne pas m'être impliquée plus tôt dans cette histoire. Je suis désolée. Madame Hanson. Merci beaucoup. De rien.
fabrique. C'est elle. Vous faites comme on a dit. Et mon fric? Je vous le donnerai après. Parlez-lui et surtout faites simple et rapide. Allez, décrochez. Je veux 20 dollars de plus. On n'a qu'à mettre ça sur le compte de l'inflation. Mais vous rigolez? Décrochez, ça va couper. Ben vous êtes d'accord, oui ou non? D'accord, je vous donnerai 20 dollars de plus, mais répondez. Ok. Foyer des Mimosas, ici Madame Hanson. Bonjour, je m'appelle Kate Whitman. Et je vous appelle au sujet de Danica Tyrell. Vous voulez me dire quoi? Eh bien, je suis sa mère biologique. Félicitations. Qu'est-ce que vous dites? Ah, écoutez, je suis débordée, j'ai plein de trucs à faire, alors faites simple et rapide. Oh, oui, désolée, bien sûr. Voilà, je l'ai faite adopter à la naissance, mais j'ai appris récemment qu'elle avait été placée en foyer dans des familles d'accueil. Et vous voulez avoir sa garde? Eh bien, oui, c'est ça, je voudrais officialiser le fait qu'elle vive avec moi. Quelle est la marche à suivre? Un formulaire, et voilà ce qu'il vous faut. Vous devez remplir plusieurs formulaires. Je vais vous les envoyer par courrier, si vous voulez. D'accord, c'est tout ce que j'ai à faire? Ah ben oui. Non. Enfin, pas seulement, il y a d'autres instructions. Elles seront dans l'enveloppe et vous aurez qu'à les suivre. Oh, oui, évidemment, merci beaucoup. C'est bon, madame, on a fini? Oui, si c'est la procédure à suivre, alors oui, nous avons fini. Vous pouvez envoyer les documents à l'attention de Kate Whitman. Au Kettle Black Bistro, 419 West Commonwealth Avenue. Prends un stylo, une petite minute. Vous voulez répéter, s'il vous plaît? 419 West Commonwealth Avenue. C'est noté. Bon, alors, je vous souhaite une bonne journée, madame. Merci, vous aussi. Ah. Vous pouviez pas la jouer plus officielle? Faire semblant d'y croire, au moins. Vous m'avez bien regardé, j'ai l'air d'une actrice professionnelle. Hé, hey, mon fric! Vous m'avez bien regardé, j'ai l'air d'une assistante sociale. Oh, revenez! On avait un accord! Elle me déteste. Ouais, je pense qu'elle déteste tout le monde. T'as raison. Et t'as vu sa démarche? Elle se déplace tout doucement. On dirait une araignée qui tisse sa toile, prête à nous piquer à tout moment. Bien. Tout a l'air d'être en bonne et due forme. J'espère recevoir une invitation pour l'inauguration. Bien sûr, vous l'aurez. Merci beaucoup. Merci, un immense merci à vous. Joseph? Joseph? Avant de partir, il ne me reste plus qu'à zioter le siphon de sol. Oh, oui, bien sûr, je vous en prie. Allez-y, c'est là-bas. Elle a dit zioter, j'ai pas rêvé. Moi aussi, j'ai entendu zioter, je peux pas la voir. Je savais même pas que ça se disait encore. C'est clair, sérieusement, qui parle encore comme ça? Ça, j'en ai aucune idée. J'y vais. Merci, non, je vais te demander. Bonjour, Kettle Black, ici Mélissa. Ah, Mélissa, bonjour, c'est Danica. Est-ce que Kate est là? Oh, depuis ce matin, on enchaîne les rendez-vous, elle est occupée, je suis désolée. Mais elle a dit qu'elle m'appellerait à 16h, on a des courses à faire. Je lui demanderai de te rappeler plus tard si tu veux. Tu vas le faire, t'en es sûre? Évidemment, comme je te l'ai dit, elle est très occupée aujourd'hui, mais elle te rappellera plus tard dans la journée. Mais elle a dit qu'on irait faire des courses. J'ai pas d'explication. Mélissa, tu peux m'apporter le contrat avec le marchand de vin, s'il te plaît? J'arrive. Une seconde! Écoute, je lui dis de te rappeler dès qu'elle a 5 minutes. Non, non, raccroche pas, il faut que je lui parle maintenant. Salut, depuis quand t'es là? Je viens juste d'arriver. Ah, tu tombes bien, j'ai besoin d'aide. Tu peux tenir le pieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces saletés de ratons laveurs ont bousillé le jardin.
Kate et Mélissa vont être déçues. Mélissa, qu'est-ce qu'elle a à voir? Ce potager, c'est leur projet commun. Tu vois l'épouvantail derrière? C'est Mélissa qui l'a fait. C'est clair, il est flippant. Tu devais pas aller faire des courses avec Kate? Normalement, oui. Aller au restaurant? Il faut pas que tu le prennes pour toi, tu sais, elle est débordée en ce moment. Non, non, c'est pas grave. Peu importe. Je vais aller regarder la télé. D'un avion espion américain, après avoir reçu une lettre d'excuse stipulant que les États-Unis regrettaient d'avoir atterri dans une zone non autorisée. Le pilote chinois a quant à lui quitté le Pacifique pour recueillir l'équipage américain, tandis que les négociations continuent afin de trouver un accord acceptable entre les deux parties. Excuse-moi de t'avoir planté. L'inspectrice est arrivée en retard et ça a décalé tous les rendez-vous de la journée. Je m'en fiche, je t'avais promis qu'on irait faire des courses ensemble. Ne dis rien si tu ne tiens pas tes engagements. Je sais, j'aurais dû... Je sais pas, peut-être... Ça va, c'est pas grave! Mélissa et toi, vous aviez d'autres priorités aujourd'hui, on dirait. On va pas en faire un fromage, c'est juste que t'as pas vu ta fille depuis combien de temps? À peu près sa naissance? Je suis fatiguée. Bonne nuit, je vais au lit. Le bilan en vie humaine est estimé à 250 000 personnes disparues, dont près de 160 000 en Indonésie, 31 000 au Sri Lanka. Joseph? Tu crois qu'on a fait une bêtise? Je veux dire, en laissant Danica s'installer à la maison aussi vite. Y a un problème? J'en suis pas sûre, mais ça se pourrait. Elle a littéralement explosé de colère quand je suis rentrée du restaurant. Il s'est passé quelque chose? Je veux bien admettre que c'est ma faute. Mais c'est bizarre. Pour tout dire, ça me fait un peu peur. Moi aussi, je trouve qu'elle s'est comportée bizarrement tout à l'heure. On n'a qu'à dire que c'était une mauvaise journée. Il faut pas qu'on oublie d'où elle vient. On doit s'attendre à ce que ce soit pas toujours simple. Le monde n'est pas un conte de fées. Donne-lui du temps. T'as raison. C'est pas facile pour elle. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Alors, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau... Oh ah, tu m'as fait une de ces peurs. J'ignorais que t'étais là. Mais qu'est-ce que t'as? Tu te sens pas bien? Je te demande pardon, maman. Je pensais pas un mot de ce que je t'ai dit hier. Je voulais seulement passer du temps avec toi. J'ai tellement peur que la vie nous sépare encore. Oh, chérie, non. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ça n'arrivera plus jamais. Je suis là, maintenant. Dis-moi ce que je peux faire pour que tu reprennes confiance en toi. Bah... Tu sais, la maison à la campagne... Tu disais que Joseph et toi, vous vous retrouviez là-bas. Oui. J'aimerais bien qu'on y aille ensemble. Même si c'est que pour une seule nuit. Pour qu'on puisse se retrouver entre mère et fille. Et être une vraie famille. Je pense sincèrement que ça m'aiderait. J'en ai besoin. Je me sens proche de toi. J'ai besoin que tu te sens proche de moi. Je veux rester là pour toujours. Tu trouves que j'en demande trop? Non. Non, pas du tout. En fait, je vais tout faire pour me libérer. J'en parlerai à Mélissa, au restaurant. Qu'est-ce que c'est, une nuit? Merci pour ta franchise. Je dois y aller, sinon Mélissa va me tuer. Et encore, si elle est de bonne humeur. À tout à l'heure. Bonne journée. Qu'est-ce que tu penserais d'un mauve? Du mauve? On avait dit quoi? Pas question. T'aimes pas? Non, ouais. Oublie. Oh. Et je veux pas non plus d'un vert moutarde. Oh. Elle est quand même bizarre, cette architecte d'intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est clair, je la trouve très sympa, mais tout ce qu'elle propose, je trouve ça moyen. Si tu veux mon avis, elle est daltonienne. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est dommage parce qu'elle est vraiment sympa. C'est vrai. Heureusement que t'es là, Mélissa. Je t'adore, t'es un ange descendu du ciel, t'es mon rayon de soleil. C'est vrai. Ouais, t'es la meilleure. Et je t'aime toute. Salut. Moi aussi. Oh, salut, ça va? Coucou, Danica.
C'est quoi? C'est pour moi? Bah oui, ouvre. C'est adorable. C'est pas grand-chose, mais c'est une façon de vous remercier, Joseph et toi, pour ce que vous faites pour moi. Je l'adore, c'est très joli. Merci beaucoup. C'est clair, Danica, je le trouve sincèrement magnifique. C'est superbe. Et c'est le Kate. Je veux voir. Ouais, bonne idée. Je crois qu'il est un peu trop serré. Tu sais quoi? J'irai chez le bijoutier et je lui demanderai de rallonger la chaîne. Il est très beau, en tout cas. Non, je suis désolée, j'aurais dû faire attention, je suis vraiment trop bête. Non! Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas bête. Il est parfait. J'ai une idée. Puisque t'es là, ça tombe bien, tu vas nous aider à finaliser les menus. On y va? Tiens, regarde. D'accord. Il y a plusieurs possibilités. Alors? Je sais pas trop. En fait, je me disais que ce serait chouette d'aller à la campagne ce week-end. Oh, Kate va t'emmener à la campagne. Tu vas adorer, c'est l'endroit que je préfère au monde. T'es allée là-bas, toi aussi? Oui. Oui, après le stress qu'on a eu pour obtenir le crédit, on avait besoin de faire une pause, alors on a passé un petit week-end. Je me souviens. Heureusement qu'on est parti d'ailleurs, on n'en pouvait plus. On a regardé Dirty Dancing en boucle. Tu l'as regardé 100 fois, et à chaque fois que je vois ce film, je pleure. Par contre, ce week-end, ça m'arrange pas. J'ai prévu de faire un barbecue samedi pour te présenter à nos amis. Alors on pourrait partir après le barbecue? Et finir le week-end? Ça capte pas très bien là-bas, et avec la chance qu'on a, à tous les coups, il va se passer quelque chose au restaurant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est peut-être pas le moment idéal ces jours-ci. Mais si, Mélissa va gérer le restaurant toute seule. On part seulement une nuit. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Ça te fera pas de mal non plus de prendre l'air. Je sais pas trop, c'est... Bon, allez, une nuit, c'est pas grand-chose. J'en parlerai à Joseph tout à l'heure. Mais d'abord, il faut finir les menus. Oh, j'y vais. Super. Dis-moi ce que t'en penses. Lequel te paraît le plus appétissant? Dis la vérité. Attends, je regarde. Kettle Black? Celui-là a l'air super appétissant. Oh. Et celui-là, pourquoi celui-là? C'est quoi qui te plaît dedans? Bien sûr, je comprends tout à fait, c'est très important. Une petite minute, je prends un stylo. Attendez, évidemment, j'ai pas de stylo. Ne quittez pas. Oh, non, 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 j'ai pas raccroché, je suis là, je pensais en avoir un sous la main, mais c'est toujours comme ça. Mélissa, j'ai posé le collier que Danica m'a offert sur mon bureau et je le trouve plus. Tu sais où il est? Non, mais je peux t'aider à le chercher si tu veux. Tout va bien, ma chérie, on va y aller. C'est quoi, ça? C'est pas le collier? Mélissa? J'y crois pas. Je t'assure, je sais pas du tout comment il est arrivé là. Faut quand même avouer que c'est étrange. Excuse-moi, qu'est-ce que tu sous-entends? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Moi, je t'agresse? Non, mais j'y peux rien, c'est mon cadeau. Bon, ça suffit, toutes les deux. Arrêtez de vous disputer. Kate, enfin, tu me connais, tu sais bien que je ferais jamais une chose pareille. Je sais que c'était pas intentionnel. Il a dû se retrouver dans ton sac par accident. Laisse tomber, je t'en prie. C'était juste un accident, d'accord? Ouais. C'est réglé. Viens, Danica, on rentre. Mélissa, laisse tomber, d'accord? Ouais. Je te crois. Bien sûr. Oh, enfin. Salut, Kate. Salut. Ça va? Je sais ce que tu vas dire. Elle t'a raconté? Ouais, c'est vrai. T'inquiète pas, c'est déjà oublié. Je me doute que c'était pas intentionnel. Cool, je voulais en être sûr. Tout va bien. Danica, je te présente Ivan, c'est le compagnon de Mélissa. Il habite derrière chez nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci encore pour ce que t'as fait. Oh, pas de problème. C'était pas simple de te retrouver. De quoi vous parlez? C'est Ivan qui t'a retrouvé sur le net. Oh,
C'est vrai? C'est vrai, ouais. Oh, au fait, on organise un barbecue demain, passe nous voir. Tes parents sont dans le coin? Non, ils seront pas là demain. Oh, dommage. Ouais. La prochaine fois. Allez, je vous laisse rentrer. Bon, bah, bonne soirée alors. Bienvenue à toi, Danica. Salut, Ivan. Bonsoir, à plus tard. À samedi. Attention à ta tête. Oh la honte! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi lui? Non, j'y crois pas. Comment elle peut choisir un type pareil? Bouge pas, j'y vais. Dépêche-toi, hein, tu vas rater le meilleur. Mais mange pas tous les pop-corns, hein. Ah, je te promets rien. Mais pas elle. Oh, ça suffit, j'en ai marre. Tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Kate est occupée? Ouais, tu tombes mal. Je vais y apporter des fleurs. Et pourquoi faire? Danica, est-ce que j'ai fait quelque chose? Mélissa? Ah, ah. Je t'ai apporté des fleurs. Oh, fallait pas faire ça. Je me disais qu'elles seraient jolies dans notre jardin. J'y retourne, je vais rater l'émission. Cette histoire de collier m'a complètement retournée, je dois bien l'avouer. Écoute, c'est du passé, c'était un malentendu, j'ai déjà oublié. Super. Tu crois que je devrais aller la voir et l'excuser auprès d'elle, à ton avis? Non, ça peut attendre. Très bien. Écoute, je vais retourner regarder la télé. Oui. Merci beaucoup. Je t'adore, tu sais. Moi aussi. Rentre bien. Ouais. Allez, bonne nuit. J'arrive, ma puce.